Tu veux paquer sur FIFA moins cher, mais tu sais pas comment faire? Je te conseille d'aller sur Prestart et de prendre des cartes Xbox ou PSN moins cher. Le lien est dans la description, fais-toi plaisir. Bonjour à tous, c'est Robert 87000. On se retrouve pour une équipe qui me fait vraiment, vraiment plaisir. La semaine dernière, c'était l'équipe française. Et cette semaine, c'est la 99 team. Regarde l'équipe. Attention, elle pique les yeux. Alors attention, il y a deux joueurs qui vont pas rester, hein, évidemment. Parce qu'il va y avoir tout simplement Kalou, Mascherano et Schweinsteiger que je vais faire entrer en début de match. Alors, juste l'un des deux sur trois. Et voilà l'équipe que ça donne, c'est les joueurs les plus rapides, hein. Il n'y a pas plus rapide, je crois, en tout cas, que Derea Totti en termes de vitesse. Et derrière, ce n'est que des joueurs qui ont maintenant 99 de vitesse. Voilà, avec un petit Mbappé Totti, mais c'est surtout les scrims. Et ça coûte pas si cher que ça. Bon, alors, le collectif, c'est très très compliqué. Mais par Busquets qui coûte très cher, franchement, le reste, ça coûte pas si cher que ça, hein. Tu vois, Ampadou, là, 29 000 crédits. Minx, 33 000. Diné, 46 000. Franchement, c'est une équipe qui coûte pas très cher, hein. Kalou, Mascherano, c'est pareil. Balotelli et Fellaini, c'est à peu près 90 000, 100 000 crédits. Sinon, le reste, voilà, c'est quand même assez pas cher. On va voir ce que ça donne. On va aller se faire un match en fut champion. Je pense, vu que je suis en 7-0, si je me trompe pas, on va se prendre une petite branlée parce que l'équipe, à part Mbappé Totti, coûte très cher. Tout le reste, ça coûte rien. Bon, voilà, Mbappé Totti, Derea Totti, j'aurais pu les enlever, mais c'est vrai que ça faisait le collectif. Donc, autant les mettre, et c'était quand même des joueurs à 99 et le gardien le plus rapide. Je suis en 7-0. Comment te dire qu'à mon avis, avec cette équipe, on va se prendre une branlée. J'espère qu'on va pas tomber contre un joueur trop fort, hein, parce que bon, un 5-0, ça serait quand même un peu l'humiliation. On va essayer de résister au maximum. On va voir ce que cette 99 team est capable de faire. J'espère que pour ce type d'équipe, vous allez exploser le nombre de likes. Et surtout, c'est ça le plus important, me dire quel concept pour la prochaine fois. Moi j'avais bien envie de faire, tu vois, le 99 force, le 99 dribble, etc. Et continuer un petit peu, parce que je trouvais ça plutôt intéressant de voir avec les joueurs réussir à faire déjà une équipe compétitive. Ce qui est le cas là, je pense, pour la 99 team. Et en plus derrière, de voir ce que ça donne en fut champion. Et j'avais pas envie que ça soit le premier match de fut champion, qui est plutôt simple en général, même les 5 premiers matchs. Là, vu que je suis en 7-0, ça commence à élever un peu le niveau. Je vais tomber sur des gars qui sont aussi en 7-0, donc forcément, ça risque d'être plus compliqué. On est parti directement, trêve de blablaterie. On va se prendre la petite branlée comme il faut. Allez, on est parti, je vais jouer en 4-2-3-1 aussi. Et on verra ce que ça donne, hein, en 4-2-3-1. Bon, ça bug. Déjà, ça commence bien. Quand ça bug comme ça, c'est vrai que les serveurs sont tellement bons encore ce week-end. Je pense qu'eSport se dit il n'y a plus personne qui joue. Mais si, on a encore quelques-uns. Donc, garde un minimum de serveurs. Parce que tu vois, quand ça cherche comme ça et que ça marche pas, c'est pas bien. Non, it's not good. On trompe sur un adversaire. Allez, je me suis mis orange. Bon, j'ai pas changé de mira depuis dimanche. Mais ça fait vraiment Ultimate Scream. Hein. On va voir ce que ça donne. Fais voir l'équipe que c'est. Ah oui, grosse team quand même. Ah oui, on tombe direct sur Sam Crack 12, il s'appelle. Alors, Sam Crack 12, est-ce qu'il est bon, Sam Crack 12? Ok, Sam Crack 12. Pas fait de grosse perte, j'ai l'impression. Alors, peut-être qu'il joue. J'ai un gars qui s'appelle Sam Crack qui répare des voitures. On verra si c'est ça. Allez, on est parti pour ce match avec la 99 team. Bon, le but, ne pas être ridicule. Oula. Ah oui, d'accord, ça commence direct par. C'est quoi ce but? Première minute de jeu quasiment, quatrième minute de jeu, le but de Diego Costa en pivot. J'aime quand tu commences comme ça, Diego, faut dire 99 de tir. Ah, au moins lui, ça va. Après les autres, c'est vrai que ça va vite, mais c'est pas très précis. Ok, première minute de jeu, j'aime quand ça se passe comme ça. On va sortir à Fernandez quand même, on va faire rentrer Mascherano et on va sortir Meunier pour faire rentrer Schweinsteiger. Et on se garde Kalou à pouvoir faire rentrer, parce qu'à la base, j'avais 100 collectifs. Mais vu comme les joueurs fatiguaient vite, je me suis dit non, tu peux pas faire ça. Il faut que tu mettes au moins Balotelli, même s'il a que 6. Sinon tu vas être vraiment dans la panade. Oui, j'ai utilisé panade. En tout cas, la frappe en pivot, Diego Costa, j'aime. C'est bien défendu, Schweinsteiger. Ah bien, Mascherano qui revient comme un seul homme. Attention, attention. Ça, c'est mal joué. Ah, ce qui est insupportable, je te le dis, ce qui est insupportable avec Ibra, c'est que tous les ballons lui restent dans les pieds. Ça, c'est incroyable. Bien, Samings. Ah, il y a gros manque de technicité quand même. Au milieu de terrain, j'ai du mal à récupérer le ballon. Ils sont plus agiles que les miens. Faut la prendre là.
Oui, c'est ça, mon Derea. Oh là, le retour de Schweinsteiger, c'est incroyable. Ibrahimovic, comme les ballons, lui restent dans les pieds. Oh, ça passe pas loin, hein. Attention, on a du mal. Oh bien, en Padou. Allez là, Diego. Allez, Diego. Allez, Diego. Oui, Diego. Oui. Non. Oh, la grosse faute. La grosse faute. Allez, là. Maintenant. Faut marquer. Il va falloir qu'on change un peu. Peut-être pas Derea quand même. Hein, on va pas déconner non plus. Qui c'est qui est fort en précision de coup franc, là? Ah, on a une personne qui est très fort. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mort pas du tout, du tout, du tout. Bien ça, bien, bien. Allez pour nous, allez pour nous. Non, pas le corner. Il est bon jusque sur corner depuis tout à l'heure. C'est le seul endroit où il nous fait mal. Allez, ça sort direct, c'est bien. Allez. On a du mal, on a du mal, on a du mal. Faut pas craquer dans ce match. Oh, c'est bien joué Mbappé. C'est bien joué Mbappé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça Mbappé que je te demande. Allez, attention, attention. On va faire revenir un peu le bloc, hein, parce que c'est bien qu'il y ait autant de joueurs devant, mais c'est compliqué. Comment ils sont cramés? Je pense qu'ils sont carbonisés. Ils sont plus du tout dans le match. On a réussi à marquer, hein, sur notre seule occasion. Allez, on a besoin de contrer. On a besoin de contrer, de prendre le ballon, d'aller vite vers l'avant. On a besoin de ça. On a besoin de ça, d'avoir un bloc bas. Est-ce qu'on va être bon? Est-ce qu'on va être bon comme ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est pas mon style de jeu. On va essayer de contrer, de pas prendre de but. Surtout, on mène au score. Mais j'ai peur que ça fasse un peu comme avec là. Avec l'équipe néerlandaise, ça fasse un peu pareil. Qu'on craque. Oh, la grosse parade de Derea. J'avais dit à mes joueurs de revenir en défense, mais ils reviennent pas, j'ai l'impression. Allez, 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 Diego Costa qui a fait le buffle, mais ça a pas suffi. Mais Mascherano. Bon, il y a Mascherano et le reste de l'équipe. Hein. Oh là, superbe, la défense. Oh, bien joué à lui. Non. Aïe, 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 le 1 partout. Le 1 partout, bien joué. Ah ouais, ça manque. Là, clairement, ça manque d'efficacité au niveau des passes, au niveau de tout. Allez, là. Oh, il la sort miraculeusement. Il a réussi à reprendre le bon joueur. Bon, bah, Balotelli est déjà cramé quand même. On va mettre Kalou. Allez. On va essayer de gagner ce match, mais ça va être très compliqué. Je vous avais prévenu que le match allait être dur. Allez, un partout. On est hors foot champion, hein, 7-0 forcément. On sait qu'on va pas affronter Benny Wiwi qui ne sait pas jouer. Le match est dur. On va essayer de pas craquer. Attention, attention. Oh là, les passes, les passes, les passes. Non, la frappe est pas assez appuyée, dommage. Non, pas comme ça encore. Bien, bien. C'est le relance là qui sont compliqués. Allez, Kalou. Allez, Kalou. Bien dîner ça, bien dîner. Allez, le saut de gros poteau. Allez, Mbappé. Oui, Mbappé. Oui, bien sûr, le centre à la 87e. Mbappé qui vient peut-être nous délivrer dans ce match. Le bon travail de Niné sur le côté. Le centre fort. Et qui y a de l'autre côté? Qui? Mbappé. Oh, c'est quoi ce timing? Bon, après, les centres, c'est un peu trop cheaté cette année. Oui, la victoire, bien sûr. La victoire, elle est là. Bien sûr. Qui ça? Derea. 2-1, ça a été un match compliqué, bien joué à Sam Crack 12. Il n'y a vraiment pas eu d'occasion. Je suis très content au final d'avoir bien défendu avec cette équipe. On a eu beaucoup la possession, il a joué très bas. Et on a réussi quand même à s'imposer très très difficilement. Ah oui, alors autant ça va vite devant, mais je ne sais pas trop m'en servir de ça.
Autant c'est vrai qu'au niveau contrôle de balle et tout, certains joueurs sont quand même un peu en difficulté. Tant mieux qu'il y a Mbappé qui a apporté un peu sa science de l'équilibre et de l'agilité, parce que sinon le reste, c'était quand même assez compliqué. On s'impose 2-1 dans ce match très compliqué, mais on ne perd pas pour fut champion. C'est déjà l'essentiel. Pourtant, que le match fut dur, que le match fut dur, on s'impose, c'est l'essentiel. On est en 8-0 à fut champion. L'équipe 99 vitesse a répondu présente. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. On a réussi à s'imposer, c'est l'essentiel. J'espère que ça vous aura plu. C'était Robert 87000. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Ah non, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Mais moi, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le gros like, à me dire ce que vous avez envie pour la prochaine fois. Moi, je vous fais plein de gros bisous à tous. Ciao les gars.